Bonsoir Safi. Bonsoir, Safi. Je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation pour ce numéro Difaal Leaders. C'est un plaisir. Alors, merci à vous. Je ne vais pas te présenter. Tu es compositeur, musicien, chanteur, arrangeur. Tu as une carrière formidable que beaucoup connaissent. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de faire connaissance avec toi et de découvrir l'homme qui se cache derrière l'artiste. Acceptes-tu ? Ça présage d'être très... très intéressant. Allez. Allons-y. Alors, tu es né en Allemagne en 1950 d'un père algérien, d'une maman tunisienne. Algérienne après, oui. Et ensuite algérienne. Mmh. Dans quelles circonstances, alors on est étonné de savoir que tu, voilà, que ta naissance a eu lieu en Allemagne, dans quelles circonstances s'est fait tout ça ? C'est très facile. Si, comme tu l'as précisé, je suis né en 1950. En 1950, l'Algérie était française. Et on demandait souvent, à l'époque, aux jeunes Algériens de faire leur service militaire, dans l'armée française, bien entendu. Et mon père a... on a proposé à mon père de soit de faire son service militaire en Algérie et de ne pas dépasser le grade de caporal ou de sergent, ou alors de le faire en France ou ailleurs, dans l'armée française, bien entendu, toujours, et que là, ça lui permettrait peut-être de devenir officier. Il avait, j'imagine, une certaine forme d'ambition, et du coup, il a préféré ça, et il s'est retrouvé dans les forces françaises, ou interalliées, ou un truc comme ça, pour coincer l'Allemagne à l'époque. Il y avait, les Russes d'un côté, et de l'autre côté, les Alliés, donc, dont la France, l'Amérique, l'Angleterre, etc. Et du coup, il s'est retrouvé dans cette petite ville de Pirmasens, dans laquelle je suis né, et qui était à l'époque la ville qui fabriquait, pendant la guerre, qui fabriquait les chaussures de la Wehrmacht, de l'armée allemande, tout simplement. Voilà pourquoi je suis né là-bas, tout simplement. Ouais. Alors, ton papa est originaire de Annaba. Mm-hmm. Tu y as vécu ? Est-ce que tu gardes des souvenirs de cette ville ? Non, je me souviens de bribes de ma petite enfance dans un tout petit dossier qui s'appelait Hangtown, qui s'appelle toujours Hangtown d'ailleurs, à côté de la Kala. Et en fait, dans la maison de mon grand-père était juste sur la frontière algéro-tunisienne. C'est-à-dire qu'il y avait les poivrons en Algérie et les tomates en Tunisie. C'est pas compliqué. C'est okay. Vrai. Mais tu es imprégné quand même de cette culture, peut-être, de l'Est algérienne, non ? Pas vraiment ? Donc, tu fais tes premiers pas en Algérie. Donc, tu as... Non, en Allemagne. Non, mais après, tu n'as pas resté longtemps. Bien sûr, en Algérie. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Donc, vous rentrez en Algérie, et donc tu as des frères et sœurs. Mm-hmm. Combien de frères et sœurs ? J'ai une sœur aînée d'un an et un frère cadet de 5 ans. Donc tu es... Un petit frère. Donc c'est toi le cadet de la famille. Je suis le cadet, oui, la meilleure place. La meilleure place. Pole position. La place qui doit s'arracher. Ben, j'ai fini par, en ce qui me concerne, décider que c'était la meilleure place. Parce que quand l'un était le chouchou de mon père et l'autre le chouchou de ma mère, moi j'étais le chouchou de personne. Donc, des deux. Non, donc j'étais mon propre chouchou et j'ai décidé de m'occuper de moi-même. Quoi. Quelle était la relation que tu avais avec tes frères et sœurs ? Est-ce que vous vous entendiez bien ? Est-ce qu'il y avait une complicité ? Je vais dire que selon les époques, c'était plus ou moins différent. En même temps que pendant la guerre, quand on marchait tous les trois derrière ma mère ou à côté avec... J'ai des flashs comme ça. Dans les flaques d'eau qui nous pleuvaient dessus, qu'on n'avait pas forcément de parapluie, que les chaussures étaient trouées, ça rapprochait, oui.
Parce que vous alliez parfois rendre visite à ton papa qui était engagé dans la révolution algérienne. Bien sûr, sauf que là, les fois où, pour te répondre, on était soudés, c'était parce qu'on était soudés par le froid et par le... Voilà, tu as vécu souvent aussi avec l'absence de ton père. Oui, longtemps. Longtemps, comme tous les... En fait, comme tous les enfants de militaires. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était aussi le cas des enfants d'artistes. C'est exactement la même chose. Le schéma qui se reproduit. Non, c'est les militaires ou les artistes, c'est à peu près la même chose. Ils sont tout le temps partis, quoi. C'est très marrant. Alors, donc, ton papa, comme on le sait, s'est très vite engagé dans la révolution algérienne. J'imagine que derrière ça, il a dû te transmettre des valeurs. Comment as-tu grandi dans cette famille avec un père patriote? Qu'est-ce qu'il t'a transmis à ce moment-là? Le patriotisme, tout simplement. Oui. Le patriotisme, mais que je n'ai pas entendu quand j'étais petit, que j'ai vécu quand j'étais petit, mais que j'ai compris par la suite, bien, bien plus longtemps. Et autrement, c'est quelqu'un qui m'a servi d'exemple de façon très importante, en réalité, parce qu'il avait des principes qui étaient basés sur le... Des principes un peu rigides, mais de bonne facture quand même, quoi. Tout se passait au niveau du courage, tout se passait au niveau de l'interdiction d'avoir peur, qui était un peu excessif, mais quand même, il ne voulait pas qu'on ait peur, il ne voulait pas que ce vocabulaire existe dans nos bouches, ça je m'en souviens très bien. Il le disait comme ça, il disait « je ne veux pas entendre ce mot ». C'est bien ça. L'audace, jusqu'à un certain point, le courage, se lever tôt, avoir des principes, faire son bilan tous les jours, tout un tas de choses comme ça. Et puis aussi, en effet, oui, la rigueur, mais aussi, je vais dire une phrase assez importante. Il nous avait sorti une fois, il me l'avait dit à moi, je ne sais plus. Il avait dit, si tu ne crées pas, tu n'es rien. C'était étonnant. Mm-hmm. Et je l'ai entendu à ce moment-là de façon très importante aussi. Elle est bien rentrée, cette phrase, dans ma tête. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne crée pas n'est rien. C'est important comme phrase, ce n'est pas anodin du tout. C'est que ça veut dire qu'en permanence, on est obligé de convoquer une certaine forme de vigilance par rapport à soi-même qui pose la question suivante, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai créé aujourd'hui? Est-ce que j'ai créé quelque chose ou pas? Est-ce que j'ai l'intention de créer demain ou pas? Est-ce que je crée? Je ne veux pas être rien, hein, oui. Par exemple. Ouais. Et alors, il me semble qu'il te baladait, enfin qu'il te prenait souvent avec lui lorsqu'il se déplaçait, notamment dans les centres de formation. Il a été responsable de centres de formation, de bataillons, et je sais qu'il te prenait souvent pour peut-être que tu t'imprègnes de ce patriotisme ou de ces soldats qui s'étaient engagés pour l'Algérie. C'était soit ça, soit de toute manière, il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il soulage ma mère de ses enfants, et donc il n'allait pas m'amener au parc Astérix. C'était donc, ça se passait souvent dans une caserne, en réalité. Alors, je ne sais pas si tu connais cette photo. Oui. Ça, c'est une photo que mon père a retrouvée dans ses archives. Ah oui? Oui. C'est toi. En fait, il t'a... Ouais. Wow. Il était allé rendre visite à mon père, qui dirigeait aussi un centre de formation. Ils étaient à 30 km l'un de l'autre. Et je pense qu'il a eu des courses à faire, donc il l'a laissé. Et mon père, étonnant, qui est dans ça. Cette photo, regarde. Que c'est touchant, mon Dieu. Alors, derrière, dans cette photo, donc il y a mon père, donc Abdelhamid. Je connais la personne qui est juste derrière moi. Ouarti. Tu as le colonel Abbès, tu as Madawi, il me semble, tu as Abdelhamid Brahimi, Hashmi Hajras, etc.
Exact. Tu as moins de 10 ans. Et regarde, si tu permets, dans cette photo, en fait, mon père est ici. Ah oui, d'accord. Donc, quand je t'avais dit qu'il se connaissait, je savais de quoi je parlais. Oui, un, c'est troublant. Deux, ce visage me dit quelque chose. C'est très troublant, tout ça. Mon Dieu. En fait, quand on regarde des photos comme celle-là, ouais, on peut rester longtemps à les regarder. Parce qu'elles signifient quand même tellement de choses. Ils étaient à Gardimao, là, donc à la frontière tunisienne. Exact. C'était un centre de formation. Oui, et ça, c'est... Et là, il y a une deuxième photo. Alors, tu n'y es pas. Mais c'était un centre d'examination, il me semble, et ils étaient les examinateurs. Donc tu peux retrouver ici ton papa et mon père au milieu. C'est marrant, hein? Décidément, oui. Incroyable. Je te les scannerai. Abdeslam Chabou. Il y a Chabou, oh, je connais bien les gens là-dedans. Abdelrahim, il y a Madawi aussi. Il y a Madawi. Yakara. Ouais. Ouais. Sacrée équipe. Sacré groupe de rock. Oui. De hard rock peut-être même. Bah oui, c'est touchant parce que c'est ça. C'est ça l'Algérie. C'est ça ton enfance, un peu entourée de ces personnalités bien sûr. Qui ont fait. Bien sûr. L'indépendance de l'Algérie. Et tout à fait. Très touchant, alors, merci beaucoup. Bah écoute, j'étais très surprise aussi, mais ça s'est fait au détour d'une discussion avec mon père. Il me dit, mais si, j'ai des photos du petit. Du petit. Donc c'était. T'aurais dû lui dire, il n'a pas grandi, depuis. Moi, je ne vois pas de différence. Donc, alors, tu quittes l'Algérie en 1968. Ton père est nommé. Ton père est nommé attaché militaire à Paris. Tu t'installes à Paris. Alors, une époque extraordinaire, donc l'époque mai 68, l'époque Woodstock, la libération sexuelle, la flower power. Tu te retrouves à l'âge de 16-17 ans dans une ville qui vit un bouillonnement très intéressant. Tout à fait, comment est-ce que tu vis cette période ? Non, c'est tout simplement, j'ai tout simplement 18 ans en mai 68 et on arrive à Paris en juin ou juillet 68, donc on est en plein dedans. Je fais une scolarité tout à fait chaotique à ce moment-là parce que je crois que j'étais en première ou en terminale. Chaotique parce que c'était la suite de mai 68 et que donc il n'y avait pratiquement pas de cours. Tous les cours se passaient dans la rue, à taper sur la police. Et moi, j'y comprenais vraiment pas grand-chose, mais je sentais qu'il y avait un espèce de bouillonnement venant de gauche. Et les gens qui m'attiraient le plus étaient ces gens-là. Et je me suis retrouvé dans des groupes trotskistes. avec les vestes militaires et compagnie. Et d'ailleurs, je me rappelle que je piquais les vestes de mon père pour être dans le coup. Ouais. Et là, bien entendu, tu as déjà commencé à pratiquer, à faire de la musique. Oui. Tu t'inscris au début dans des conservatoires. J'avais déjà commencé en Algérie. Oui, voilà, en Algérie. Tu continues à Paris. Les conservatoires ne correspondent pas trop à tes attentes. Non, je les trouve poussiéreux. Et l'enseignement rébarbatif, je n'aime pas trop, en tout cas, non. Ça me dit quelque chose à ce moment-là, mais je préfère les musiques que je fais à côté, dans des groupes de rock ou de jazz. Et tu intègres des groupes à cette période-là aussi. Et tu es en forme. Oui. Ouais. Non, j'étais très vite dedans. Vous allez sur scène, vous montez sur scène. Ah oui, on faisait plein de scènes. Des clubs mythiques de l'époque, comme le Golf Drouot ou le Gibus, qui étaient les scènes underground et de rock à Paris à l'époque. Oui, bien sûr. Tu as même fait la Manche
à Paris. J'ai fait la Manche, oui, et puis franchement, il n'y a pas de mal. Hein. C'est... La Manche, c'est excellent. La Manche... Raconte-moi ça. Ben, à une époque, j'ai voulu... Ça s'est fait comment, ça? Je pense que j'ai rencontré... Je jouais souvent dans les jardins du Trocadéro, je me rappelle, et c'est propice à se balader avec une guitare, un harmonica, et de chanter des chansons comme ça, qui étaient d'ailleurs des compositions à moi. Et puis un jour, j'ai croisé deux jeunes femmes qui se sont approchées, qui se sont assises sur le banc d'à côté, et qui m'ont écouté. Et à la fin, elles sont venues me voir, et elles étaient habillées vraiment hippies. Mmh. C'est-à-dire tout habillées de cuir, avec des franges, des petits boutons, des perles, ouais. Ça, enfin, en plein flower power, en effet. Elles t'abordent. Elles m'abordent, et elles me disent qu'elles aiment bien ce que je fais, qu'elles sont en voyage, en transit à Paris et qu'elles vont en Inde, mais que si ça pouvait peut-être m'intéresser de savoir qu'à Boston, d'où elles venaient, Boston, USA, il y a une école très célèbre de musique moderne, mm-hmm. On va dire ça comme ça. Et que dès qu'elle rentrerait d'Inde, elle m'enverrait ça. Et elles l'ont fait. Elles m'ont envoyé ça. Et moi, je me suis dit à ce moment-là, bon, ben, je vais me débrouiller. J'ai vu combien coûtait le semestre ou le trimestre. Et je me suis dit, je vais faire la Manche et ramasser des sous, quoi. Ça t'a fait quand même un effet extraordinaire de savoir que tu pouvais aller faire une école de musique aux États-Unis. Tu t'es accroché à cet objectif qui a un peu redonné du sens à peut-être un peu à ta vie de l'époque, hein, de jeune garçon Ça a donné du sens. Ça a donné du sens parce que j'hésitais entre être pilote ou musicien et ça m'a conforté dans l'idée que ça me mettrait sur un chemin en tout cas. Et que la musique deviendrait pour moi, alors qu'elle me paraissait une direction un peu hasardeuse ou dangereuse, parce qu'on bouffe pas quoi, de la musique, ou en tout cas quand on commence, on ne sait pas si on va y arriver ou pas. Alors que pilote, on est sûr, ouais. Ouais, on est sûr d'y arriver. Et donc j'ai décidé de faire la Manche, je quadrillais comme ça tout le quartier latin avec ma guitare de 22h à 1h du matin, tous les soirs, à chanter devant les terrasses de café, oui, dans le métro, oui. J'ai fait ça. C'est bien parce que ça nous met en face d'un public, ça décomplexe, ça... c'est une sacrée école. Et puis on doit y faire de belles rencontres, hein, notamment ces deux jeunes filles. Oui. Et à ce moment-là, tu as eu un bac, tu as eu ton bac, et tu as passé un bac philo. Oui. Il fallait le faire quand même pour l'époque. Enfin, pourquoi ? Peut-être pas pour l'époque, mais vu le jeune... Quoi, un peu voyou ou quoi ? Je n'osais pas le dire. Un peu... Ouais, mais moi je suis un faux voyou. Intempestif peut-être. Oui. Passer un bac philo, c'est... D'abord, ça m'a étonné en tout cas lorsque j'ai vu ça. Ça m'a toujours intéressé. J'avais commencé par un bac sciences, D, donc, ouais. Parce que je pensais que j'opterais pour l'aviation. Mais je l'ai raté glorieusement d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai été en philo où j'ai adoré, parce qu'en plus, j'avais un professeur de philo merveilleux. Que je cherche toujours d'ailleurs, j'essaie de trouver, mais il est peut-être parti. Non, parce que je fais ça, je fais de la... Oui. J'ai retrouvé ma maîtresse, 40 ans après, ma maîtresse quand j'étais tout petit à l'école. Pas mal. J'aime bien aller fouiller des fois comme ça. Tu restes attaché au passé. Ouais. Je suis totalement comme ça, mais sur certains sujets, j'aime bien revenir en arrière, oui. Regardez. Donc, tu passes un bac philo, etc. Tu as cet objectif d'aller aux États-Unis, tu travailles pour, et tu reçois une convocation pour ton service national. J'avais oublié celle-là. Eh oui, bien oui. Donc, et bien entendu, tu comptes sur l'exemption.
tu l'espères en tout cas. Comment ça bien sûr, se, si. Se bien passe sûr, oui, parce que tout le temps où j'étudiais, où j'étais au lycée et puis ensuite à la fac, je recevais chaque année une carte de sursis. Parce que tu étais étudiant, tu as fait plein de petits cursus comme ça. J'ai fait philo, psycho, anglais, mais c'était juste pour faire du temps en fait, oui. pour avoir ma carte de sursis. Et un jour, il y en a une qui est arrivée en 73, et j'ai dit à mon père que ça ne me disait rien d'y aller, quoi. Il me dit non, c'est rien, c'est une formalité, tu vas. Il me dit on est jeudi, demain c'est vendredi. À l'époque, le week-end ici, c'était le samedi-dimanche. Et dimanche. Il me dit, tu pars vendredi et tu reviens lundi. Tu passes ta visite médicale et tu reviens, quoi. C'est rien. Pardon. Il savait que je voulais aller aux États-Unis. Il savait que je vivais avec une jeune fille française. Il savait toutes ces choses-là. Il savait que je faisais de la musique. Et je pense qu'il a eu très envie de stopper cette espèce de... Enfin, ce qui lui semblait être une hémorragie négative. Pas la musique d'abord, non. Pourtant, il était amateur de musique, hein. Il était mélomane. Très mélomane, ouais. Mais pas au point d'accepter qu'un de ses enfants devienne musicien. Où est-ce qu'on en était? Oui, donc il te dit, tu pars le week-end, pour, en gros, enfin, sans te le dire directement, récupérer ton sursis. Donc tu t'envoles pour Alger. Oui, c'est ça. Avec très peu d'affaires. Ah non, je pars à Alger avec une, je m'en souviens bien, hein, une cartouche de cigarettes et une brosse à dents. Point barre. Je suis parti comme ça et... C'était en septembre 73 et Ramadan à cette et époque. En plein Ramadan et j'arrive à Alger Molftor et l'aéroport était plein de monde et à un moment donné j'entends quelqu'un crier comme ça vous êtes le fils Boutella, vous êtes Boutella, t'entends? Je dis oui. Et il me dit, donne-moi ton passeport. Attends, je lui donne le passeport, il me dit que ça tu passes. Et puis il me fait passer par les couloirs. Tu te dis que couloirs. Tu es privilégié, super. Pardon. Je ne suis pas sûr de me sentir privilégié, mais si quand même. Je crois que j'ai eu cette candeur imbécile oui, de penser que c'était pour me faciliter le passage. Ce passeport, je l'ai retrouvé 2 ans après. C'est-à-dire, en gros, tu arrives et on te dit, bah, tu pars à Blida et c'est bon, tu passes en service militaire. Avec les fêtes que Bleyla. Donc là, tu te retrouves, service militaire dans un lieu improbable. D'une certaine manière, un rêve qui se brise, en tout cas, j'imagine, à ce moment-là. Comment tu vis ça? Comment tu vis d'abord, peut-être, je n'irai pas jusqu'à dire le choc, mais en tout cas la surprise, et comment tu entames cette période donc, de 2 ans de service national? Non, ce n'est pas une surprise, c'est véritablement un choc. C'est un choc. Ça faisait, je crois, 4 ans ou 5 ans que j'étais parvenu au pays. J'étais rentré dans d'autres logiques, dans d'autres systèmes, dans une idée de moi-même en mouvement, non pas en mouvement de fuite de mon pays, mais en mouvement de conquête vers l'avant et de connaissance du monde ou des mondes. Voilà comment je me sentais. Et non pas... fuyant une Algérie qui, à l'époque, était juste un pays, comme un autre peut-être, mais dans lequel il n'y avait pas cette école que je voulais fréquenter. Donc j'avais envie d'aller plus loin et toujours plus loin. C'est, je pense, ce que chaque jeune a peut-être envie de faire. Et donc, du coup ? La caserne à Blida, et là, c'est quand même un choc, quoi. C'est très particulier. On a les jambes coupées, voilà, j'ai cette sensation que
que ça va prendre du temps. Et alors, une chose qui t'avait un peu peut-être marqué, c'était la monotonie des couleurs qu'on trouvait dans qu'il y avait dans la caserne et que tu as pu réaliser lorsque tes camarades recevaient de la famille. Parce que toi, pendant cette période-là, tu n'as pas reçu ta famille. Tu es bien renseigné, je trouve. Ben, j'essaye. C'est vrai que quand je rentre à la caserne, quand on rentre en caserne pour l'instruction pendant 6 mois, on ne voit personne. Pendant les 45 premiers jours, on ne voit strictement personne. Sinon, le vert kaki et voilà quoi, c'est tout. On ne voit pas de couleur, il n'y a pas de couleur. Et ça manque énormément. Je ne sais pas si ça manquait aux autres, à moi ça me manquait. Et tous les week-ends, le samedi donc, et le dimanche, il y avait les visites des familles qui venaient voir leur fils, frère, et puis qui ramenaient des couffins avec des poulets rôtis, avec va savoir, resta, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. En tout cas, je n'avais pas de couffins. Et par contre, comme personne ne venait me rendre visite, je faisais 30 mètres d'écart ou 80 mètres d'écart juste pour voir. Mmh. Et quand je regardais, parce que ça se passait au niveau de l'entrée de la caserne, au poste de police, je voyais des taches rouges, jaunes, vertes, bleues, blanches. Et c'était tellement bon. Mmh. J'ai rarement ressenti une chose pareille. C'est très touchant et très émouvant parce que c'est surprenant. On ne s'y attend absolument pas, mais ça fait un bien fou. Et voilà. Et quand on n'a pas vécu de moments comme cela, on ne peut pas savoir, parce que tout est banal en réalité. On voit de la couleur à longueur de journée. Quand on en est privé, on sait ce qu'elle vaut. On sait ce que vaut la couleur. Quand on est privé de lumière, quand on voit la lumière, on sait ce que c'est la lumière. Et ça donne, du coup, ça relativise la façon de voir la vie, de l'envisager, etc. Et j'ai amassé, pardon, toutes ces choses-là comme des plus, comme des choses à emmagasiner. Ce sens de la relativité, par exemple. Mmh. Bien sûr. Et d'ailleurs, tu décides d'en faire une expérience positive, donc tu prends tout ce qui t'arrive comme peut-être pas un cadeau, mais en tout cas comme une expérience, comme faisant partie de toi, et tu tisses des liens très amicaux avec tes camarades, tu composes aussi au sein de la caserne, tu transformes ce choc-là en événement qui structure peu ta jeunesse. Je pense que quand on est dans ce genre de situation, soit on sombre dans une grande déprime, soit on se sauve en courant et on se fait tirer dessus, on se retrouve au trou, soit non pas on s'accommode, mais on transforme tout ce qui nous arrive en force, en résistance, je me souviens que mon père à l'époque m'avait téléphoné une fois et m'avait dit, écoute, au lieu d'aller aux États-Unis, là où tu veux aller, entre parenthèses, dans sa tête, il souhaitait que je l'oublie, mais de faire cette école comme un mendiant en faisant la manche ou quoi, fais ton service et puis on te trouvera une bourse pour y aller de façon honorable. J'ai gardé ça en tête et j'ai réussi à supporter. En même temps que les constats que je faisais à la caserne dans laquelle, à l'époque, parce qu'à l'époque, on mettait tout le monde en caserne. Hein, il y avait des gars qui avaient peut-être 40 ans, qui avaient déjà 3 enfants. Moi, j'en avais que 23. Mais... Et puis, comme tu m'as achab, quoi. M'achab, m'chalot, koulchi. Voilà, m'chalot, m'akinch, les carrés, les fahem, les diplômés, pas diplômés, les jaïm la ville. Si, c'était quand même tous des diplômes. Tout le monde était diplômé. C'est une école de formation d'officiers de réserve. Mais il y avait des gens de toutes sortes et j'ai appris beaucoup.
J'ai vraiment appris beaucoup et j'ai remercié mon père tout au long de sa vie, tout le reste du temps. Je l'ai remercié de m'avoir fait ce coup que je prenais, j'avais pris sur le moment comme un sale coup. Je l'ai remercié parce que j'ai appris ce que c'était un homme, j'ai appris ce que c'était être un homme, j'ai appris à ne pas faire de délit de faciès, parce que des fois quand je voyais des gens avec des sales gueules, je me disais, tiens, un mec comme ça, c'est pas marrant, je préférais les gens un peu plus beaux, un peu plus... je pense que ça veut rien dire et tout dire en même temps, mais à ce moment-là, justement, où on sent ces choses-là, ou quelqu'un qui se tient mal ou quoi, eh ben, je me suis rendu compte que celui qui avait une sale gueule était plus généreux que celui qui était beau, celui qui était mal accoutré, pensait mieux, était plus patriote que celui qui avait des manières, je ne sais quoi. Et ceux qui avaient des manières, quand on se retrouvait au réfectoire ou à la cantine, c'était les premiers qui sautaient sur le premier plat qui arrivait pour prendre les morceaux de viande, etc., et qui faisait tout pour fuir les corvées de vaisselle au sable, et de tout, etc. Et donc, c'est une école de vie merveilleuse. Mon père a fait la chose la plus importante de ma vie avec ce service militaire, et j'ai adoré le faire dans mon pays, Ça a dicté ce que je suis, tout simplement, jusqu'à aujourd'hui. Ça a créé l'ancrage De façon définitive, dans l'Algérie. Ce qui ne m'empêchait pas de penser et de rêver toujours, de partir, de voir le monde. Mais c'est bien d'avoir un ancrage quand même. Oui. Un ancrage. D'ailleurs, c'est le seul ancrage que j'ai, parce que je n'ai pas d'ancrage comme souvent beaucoup de gens ont la maison de leur enfance, par exemple. Oui. La maison où ils ont grandi, la maison où... Nous, on n'a jamais eu ça. Je n'ai jamais eu de maison de mon enfance. Même en Tunisie, parce qu'on a beaucoup parlé de ton père, mais très peu de ta maman. Oui. Pardonne-moi, je voulais juste dire que je n'ai jamais eu de maison de mon enfance. Mais les maisons d'enfance, elles duraient 3 mois. Donc, ce n'est pas des maisons d'enfance, parce qu'on les quitte, on les oublie. Une fois à Tunis, une fois au Caire, une fois à Constantine, une fois à Annaba. Une fois à Batna, une fois à Paris, une fois... Donc, il n'y a pas de maison d'enfance. Du coup, la maison d'enfance, c'est mon pays. Voilà ma maison d'enfance, c'est mon grand terrain de jeu, c'est mes souvenirs, tous mélangés dans ce bac à sable. Mon pays, l'Algérie. Voilà. Et ta maman? Ma maman est morte, l'Erhama, tunisienne, qui a épousé mon père... dans les années, je ne sais pas, 47, quelque chose comme ça, et puis qui est devenue très vite algérienne d'ailleurs, et qui a épousé la Révolution avec mon père, et voilà. Qui a suivi, en fait. Elle a été, elle a été flexible à tout, elle a accompagné ton papa. Je ne sais pas si à l'époque on en avait le choix, mais elle a suivi son mari, oui. Ouais. Et la cause avec, bien entendu. Et la cause algérienne avec. Ouais. Elle cousait les drapeaux juste avant l'indépendance. On s'endormait sur ses genoux pendant qu'elle cousait les drapeaux, bien sûr. Oui. 79, ton service national est fait. Tu te rattaches donc à la carotte que tu avais, en tout cas à la promesse de ton papa en te disant, voilà, après ça, tu pourras faire l'école de tes rêves, même s'il espérait que tu changes d'avis. Et c'est ce que tu fais. Donc, tu obtiens, il te promet qu'il t'obtiendrait la bourse. Ça, c'est un point important. On y reviendra après. Oui. Et départ pour les États-Unis. Mmh. Et là, un nouveau monde s'ouvre à toi. Oui, et donc, comme à chaque fois, quand pour certains, la vie est un long fleuve tranquille, pour le dire avec une formule... que tout le monde connaît. En ce qui me concerne, c'est que bouleversement sur bouleversement, être à Alger, faire du sport avec ses amis, être athlète, joueur de handball, etc. Et puis se retrouver d'un seul coup à Paris, musique, donc tout à fait un autre univers. Puis d'un seul coup aussi, d'un seul coup encore, Alger, l'armée, et puis d'un seul coup les États-Unis. Oui, ça fait des chocs successifs.
qui ébranle et en face desquels, parce que quand on est jeune, on n'est pas si courageux que ça, dépendant de qui on est d'ailleurs. Et selon la sensibilité qu'on a, on peut être très touché. Mais moi, j'ai toujours affronté mes émotions en les acceptant, en sachant que la meilleure façon de les vivre, si elles pouvaient s'avérer peut-être menaçantes ou épeurantes, la meilleure façon de les vivre, c'était de les intégrer et de suivre. Comme on suit une vague quand on est dans l'eau, on ne se bat pas contre. La meilleure façon de rester la tête hors de l'eau, c'est de se laisser suivre. Comme ça, hein. C'est de... Et donc, les États-Unis, oui, mon père tient sa promesse, parce que je lui force un peu la main d'ailleurs, tout ma bourse, et puis je me retrouve aux États-Unis. Et dès que j'arrive, tout change. Berklee College of Music, oui. Of Music. Une première nuit à New York d'abord, et puis le lendemain, ce vol vers Boston. Une nuit aussi tout seul à l'hôtel. C'est marrant, ces moments où on se sent seul, ailleurs, loin, où on n'a jamais mis les pieds. Et j'imagine. À 25 ans, on est jeune. Hein, Il y en a beaucoup aujourd'hui qu'on croise et qui font les intéressants, mais à 25 ans, on est très jeune. Un jeune homme, mais... Et tu connaissais personne, donc pas d'attache, rien, ni amis, ni famille, c'est pas comme maintenant. Donc, Comme à la caserne. Et donc là, tu es quand même... Ton premier jour dans ce collège, cette université, est pour toi assez époustouflant. Donc il y a une ambiance, une atmosphère. J'aime bien cette arrivée, j'aime bien ce premier jour, mais c'est exactement identique à la caserne. C'est-à-dire que, à peine arrivé, il faut tout découvrir. À peine arrivé, le jour où je suis arrivé la première fois à Blida, à la caserne, j'ai été pris en main par un gars, un sergent, qui m'a fait le tour de tous les hangars pour me jeter à 30 mètres de hauteur. Il me jetait un pantalon sur la figure. Et il fallait que je prenne ça et puis que j'aille après rejoindre la chambrée pour m'habiller. Et là, le premier matin à Boston, à l'école, c'est la même chose. La visite de toutes les administrations différentes, pour signer les papiers, pour déposer des choses, pour récupérer du matériel, des bouquins, etc. Tu découvres aussi tes professeurs, etc. Tes camarades. Je découvre un autre monde, un monde dans lequel un prof arrive en short et en basket, et puis pas coiffé, mais qui enseigne des choses magnifiques, et qui enseigne des choses de façon simple, de façon... un endroit dans lequel la musique n'est pas un mythe. La musique, c'est la vie. Si on va se balader chez les Touaregs ou chez les trucs, la musique, c'est la vie, c'est pas... Là-bas, c'est exactement pareil. Alors là, il n'y a plus de tabou, il n'y a plus rien, il y a juste l'apprentissage, la formation. Et tu aimes cette manière d'enseigner. Donc j'adore, ça me sort des conservatoires. Pédagogique et en même temps très légère. Oui, c'est léger, mais il faut y aller, il faut travailler quand même pour tenir. Légère dans les relations, je veux dire, ça reste... ils sont quand même avant-gardistes en termes de transmission. Voilà. Et le niveau était très élevé. Je partageais, parce que j'ai passé mes trois premiers mois dans un campus. Je dormais, donc je partageais ma chambre avec un autre musicien. Et ça jouait sérieux, quoi. Il y avait des gars qui avaient 16 ans et qui étaient déjà... Enfin, c'est comme l'aviation aux États-Unis, l'aviation, la musique, tous ces métiers-là sont monnaie courante, quoi. On les pratique avec... ils font partie de la vie. Ouais. Ils font partie de la vie et ça fait plaisir. Et par contre, elle devient quoi, ta copine, là, qui t'avait donné l'adresse et qui t'est devenue ta petite amie? Elle t'a attendue pendant tes 2 ans de service militaire, est-ce que tu la retrouves? Je sais pas si elle m'a attendue. Je suis curieuse, pardon. Je sais pas si elle m'a attendue, mais
En tout cas, elle a eu la gentillesse de. Elle m'a envoyé le bouquin, elle a tenu sa promesse, et le bouquin de l'école, le fascicule là, de l'école. Et, c'était devenu ta petite amie aussi d'ailleurs. C'est devenu ma petite amie, et puis on s'est revus, et puis après on s'est quittés, et chacun a suivi sa route. Sa route. Mais donc ça signifie que. Moi, j'aime pas trop les lieux communs comme ça, les lieux communs qui disent, par exemple, que la vie se fait avec des rencontres. Je n'aime pas les phrases toutes faites comme ça. Mais mine de rien, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé. Donc, 4 ans d'effervescence, d'apprentissage intense. Tu décides de rentrer, tu ne fais pas le choix. On me demande de rester, je veux partir. Voilà, donc tu aurais pu t'installer là-bas, tu fais un autre choix. Donc, 4 années d'effervescence, tu obtiens ton diplôme et tu peux faire le choix de rester. Et pourtant, je peux faire le choix de rester, et surtout qu'on me le propose, parce que quand on vient de faire un cursus complet et qu'on finit avec un Bachelor of Professional Music, ce qui était mon cas, on peut rester et enseigner. Donc on me demande si ça m'intéresse. Et moi, en réalité, pendant les 4 ans en question, à chaque fois que je faisais quel que soit l'apprentissage, non pas que je voyais comment j'allais l'utiliser, mais je savais qu'allait venir le temps où il fallait que j'applique ça chez moi, dans mon pays. Je connaissais bien la musique de chez nous et je savais que c'était un creuset de richesse. Alors, on ne reste pas dans ces cas-là aux États-Unis pour faire la même chose que les Américains. On rentre chez soi et on transforme peut-être les choses ou on fait les choses. Et c'est la décision que j'ai prise. Voilà. Donc, retour en Algérie. Affirmatif. Donc, nous achevons la première partie de notre entretien. Et nous allons revenir très vite pour... le Safi dans sa nouvelle vie professionnelle cette fois. Avec plaisir. À tout de suite. Merci beaucoup.